Bonjour, je m'appelle Frédéric Le Cann et j'exerce le métier de psychologue psychothérapeute. Aujourd'hui, la vidéo, elle fait suite à la première vidéo sur les colonnes de Beck où j'ai expliqué de manière générale cet outil pour comprendre notre fonctionnement et l'origine de nos souffrances. Alors, je vais vous donner un exemple qui va concerner le schéma exigence. Alors, de la même façon, c'est pas un problème d'avoir des exigences, on est bien d'accord. Le problème, c'est toujours la même chose, ce sont les extrêmes. Ici, aucune exigence. Bon, donc en fait, ma manière de penser, c'est je ne souhaite rien faire, je ne veux aucune contrainte, je ne veux pas m'embêter. Et du coup, là, on va trouver un peu la frustration. Et dans mes comportements, ben, je vais avoir tendance à rien faire, à même plus me lever, à plus me laver. Parce que j'ai aucune exigence sur moi-même, sur les autres, sur l'environnement et l'avenir, sur la vie. À l'opposé, on va avoir des niveaux d'exigence très élevés. Ce niveau d'exigence élevé va générer un phénomène malheureusement trop souvent actuel, des phénomènes de burn-out. Alors l'idée, une fois de plus, c'est de comprendre, et je vais l'expliquer là avec les colonnes, pour ensuite retrouver l'équilibre. C'est important d'avoir certaines exigences, mais ça ne doit pas être à notre détriment, et notamment physiologique. Alors, de nouveau les colonnes. On vit des situations, par exemple au travail, où on me demande beaucoup de choses, et de plus en plus. Donc de nouveau, je vais avoir en fait là un schéma, donc là en l'occurrence le schéma exigence élevée, donc pareil, qui est construit par rapport à mon histoire de vie. Ce schéma en fait va créer des pensées sur cette situation. Je dois finir, je dois absolument être parfait, je dois répondre aux exigences de ce que l'on me demande. Alors vous allez voir que là aussi, il va y avoir l'émotion peur. Parce que si je ne réponds pas aux exigences de l'extérieur, eh bien, je risque d'avoir une menace. Et notamment par rapport au travail, je vais me faire licencier, je vais perdre mon travail. Si je perds mon travail, j'ai plus d'argent. Si j'ai plus d'argent, comment je peux me faire pour payer mon loyer, pour payer des choses à mes enfants? Donc, on va bien voir que là aussi, on va retrouver la peur. Donc, le « il faut »,« je dois » va créer cette pression, cette peur, ce stress. Et une fois de plus, comment habituellement je fais pour calmer mon émotion et là, mon stress? Ben, je mets en place un comportement. Je vais travailler encore plus et encore plus et encore plus. Le problème, on est d'accord, une fois de plus, à court terme, ça fonctionne bien. Je calme mon stress en faisant toujours plus, en produisant toujours plus. Mais à long terme, une fois de plus, je vais m'épuiser et malheureusement arriver au phénomène de burn-out. Et là, je ne pourrai plus rien faire. Donc, c'est de nouveau important de comprendre que ce n'est pas tant le stress extérieur. Bien sûr qu'il y a de plus en plus, malheureusement, de pression extérieure. Il y a ce stress, effectivement, qui vient de la situation. Mais il y a aussi le stress qui vient de notre façon de penser cette situation. Notamment parce que ça nous crée des peurs, peur de perdre notre emploi, par exemple. Donc, l'important, une fois de plus, c'est de travailler de l'intérieur, ici, pour diminuer le niveau de stress, pour que ici, je prenne soin de moi et que je ne fasse plus justement ce travail qui va m'oublier. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et surtout aura été suffisamment claire pour vous permettre de comprendre comment utiliser cet outil, pour vous l'approprier, pour que justement il puisse au quotidien vous aider à mieux comprendre ce qui peut se passer pour vous. Si vous avez des questions ou des situations dont vous voudriez que je parle plus spécifiquement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que je puisse y répondre d'une façon ou d'une autre et peut-être même par une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.